Hey yo les amis, c'est Fritz, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Chose promise, chose due, le chapitre 6 est enfin arrivé sur Roblox Bacon et on va le découvrir tous ensemble aujourd'hui. N'oubliez pas, petit objectif, retour 100k avant la fin du confinement, donc abonnez-vous en masse, ça me ferait très plaisir. Si on arrive, ce serait juste ouf et je pense que je ferais vraiment un gros live, tu vois, pour fêter cette occasion avec vous. On ferait plein de trucs ensemble et tout. Donc bref, je compte sur vous, on est parti. Sinon, mis à part ça, on va essayer de trouver, même si je galère à chaque fois, et ben on va essayer de trouver le chapitre 6, une partie qui vient juste de commencer ou quoi. Mais là on commence très mal dans le sens où c'est déjà buggé hein, donc voilà. Mais ce qu'on peut faire en attendant, c'est à la limite regarder s'il y a un nouveau skin peut-être. Bah Evil Bunny, waouh, ça c'est stylé. Regardez ça, on a aussi comme Piggy bien évidemment plein de skins, voire même carrément plus de skins. Celui-là il est grave cool, mais honnêtement j'avoue, celui-là aussi il est grave cool. J'avoue que, putain mais celui-là aussi, bah, je vais dire ça avec tous les skins hein. Mais celui-là franchement je le trouve super cool, je sais pas combien ce qu'il coûte. Ah et bah il coûte 100 Robux, et bah voilà, si jamais toutefois je suis Bacon, je serai en Evil Bunny. Ok, et j'ai débloqué un couteau carotte, voilà. Sinon mis à part ça, bah, je me suis fait carotte, hein, c'est le cas de le dire. Sans mauvais jeu de mots, je me suis fait vraiment carotte là, donc je vais quitter et retrouver une bonne game. Enfin, une game déjà. Bon, on est dans l'intermission, c'est le fameux suspense. En fait, je m'étais trompé, ce que je vous avais dit dans la vidéo Piggy, que j'avais le x2 Piggy, mais non, rien à voir. En fait, c'est dans Bacon que j'ai justement la double chance d'être, tout simplement Bacon. Et j'ai clairement pas envie d'être Bacon. Donc, nous, on vote, c'est parfait, tous là, pour le chapitre 6, et c'est une base secrète. Ils sont accordés, hein, Piggy et tout, genre base secrète et tout pour le dernier chapitre. Du coup, bah, on va mettre player et non pas bot plus player. Les gars, calmez-vous, calm down. Déjà assez compliqué comme ça. Et surtout, je vais peut-être être Bacon. Donc, j'espère en tout cas ne pas être Bacon. On verra bien. En tout cas, on a une cinématique. J'espère que c'est un petit peu plus travaillé par rapport aux autres. Hein. Donc, on a 3 petits points. Ça commence toujours par 3 petits points, de toute façon. On a un truc d'hélico. On entend un hélicoptère d'ailleurs. Donc, est-ce qu'on arrive en hélico ou est-ce qu'on doit se barrer? Ah putain, je sais pas. Why would they drop us off here? Pourquoi on a été amené ici? C'est ça, je crois, un truc comme ça. Ou qui vient ici? Je sais pas. En tout cas, on est dans une base secrète et ça m'a l'air d'être plutôt stylé. Et je suis surtout un survivant. El survivante. Du coup, c'est magnifique. Je ne suis pas Bacon. Alors, on a directement ici un cadenas vert. Ok, on a des planches ici, mais il faut un pied de biche. Très bien, très bien. En fait, j'essaie de me dépêcher, de faire un petit peu de repérage avant que Bacon soit réveillé. Ça a l'air sympa. Un petit peu sombre quand même comme endroit, un petit peu glauque. Donc, c'est ici qu'on a été amené en hélico. Je pense... Wow! C'est surtout ici que Bacon est amené en hélico. On va se barrer très rapidement là. Putain, j'ai eu peur. Mais on fait comment alors? Ah, ok. J'allais dire, il n'y a rien pour pouvoir débloquer des trucs ou quoi. Donc là, j'ai récupéré un axe, c'est-à-dire un marteau ou une hache? Plutôt une hache, les amis. Ok. Donc, ce qui est bien, c'est que dans Bacon, on a 2 vies. Donc, ça, c'est plutôt cool. Là, il y a une clé verte. Ok. Donc, on va d'abord prendre la clé verte avant d'utiliser la hache. Par contre, ça va être compliqué cette histoire. Ok, donc je me suis déjà fait choper une fois. C'est très galère au début parce qu'on est très confiné. Hein. Là, on est en période de confinement. Ben, là aussi, en fait, on a un petit peu en confinement au début. Ah, intermission. Comment ça? Ah, je crois que la partie est morte. Les choses qui ont changé apparemment sur Roblox Bacon. Hein. Bon, c'était vraiment une partie éclair. Donc c'est parti, c'est le moment de... Mais il est déjà là. Il est déjà là, Bacon. C'est incroyable quand même, cette histoire. Donc ici, on a la clé verte. C'est magnifique. Parfait, parfait. Grâce à la clé verte. Ah, mais ça change à chaque fois, Bacon, non? Ouais, ouais, les cadenas changent en fait. Attends, je suis un peu dans la merde, je suis un petit peu dans la merde. J'ai l'impression qu'il veut me choper. Ok, j'essaye d'en profiter pour aller débloquer le fameux cadenas. C'est parti. Bacon is asu. Ouais, mais Bacon est déjà réveillé depuis un petit moment. Donc, on a débloqué cet accès-ci. On a des boutons, mais je dois avoir un bouton vert. J'ai l'impression, en fait, comme si le bouton fonctionnait pas et que je devais le retrouver, tu vois. Ok, merde. Bacon, il se ramène. Ok, mon pote. Ok, je me tire. Allez, on peut s'en sortir, je le sens bien. Je pense que Bacon, c'est un peu plus faisable que Piggy, non? Donc, je pense qu'il y a moyen qu'on s'en sorte pour cette partie-là. Par contre, autant j'avais trouvé une petite hache tout à l'heure, autant là, je trouve plus rien. Donc, hop, on va se barrer par là-bas. Qu'est-ce que je peux faire? En plus, tout le monde est en train de se faire tuer. C'est la merde. Je peux vraiment pas appuyer dessus? Non, je peux pas appuyer dessus, hein. Donc, il y a quoi à faire ici? Comment est-ce qu'on est censé... Ah, il a ouvert, ok. Parfait, il a ouvert, une clé bleue. Je vais prendre sa clé. De toute façon, ma clé, ça sert à rien. Mais je pense qu'il avait la clé bleue qui permettait d'ouvrir l'accès. La porte ici. On va jamais y arriver, c'est trop galère. En plus, je me suis fait bloquer par le collègue. C'est bon, j'ai réussi à m'échapper. Donc la clé bleue a forcément déjà été utilisée. Il va pas me lâcher. Hein, très clairement, je pense qu'il a capté que j'étais un youtubeur. Donc il va pas me lâcher. Et voilà, c'est ce que je vous avais dit. Et je pense qu'on a plus les 2 vies sur Bacon. Quoique. Ah si, c'est bon. Parfait, oula, je spawn ici. Très clairement, j'ai perdu la clé que j'avais. Il faut que j'arrive à redescendre. En fait, quand tu restes au-dessus ici, t'es protégé alors. Tu peux pas venir jusqu'à. Là, je sais pas trop. Ok, on redescend là. Ouais, ça a l'air d'être compliqué de ouf la map. Là, elle est toute petite. Genre, non, frérot, t'as pas à me bloquer. T'as vraiment pas à me bloquer là. Je vais y prendre cher. Regardez, il est en train de tuer tout le monde. C'est impossible. Le nouveau chapitre de Piggy est grave galère. Le chapitre de Bacon est grave galère aussi également. Franchement, vas-y, on va faire comment pour s'en sortir là. Bacon, ça ne sert à rien. Voilà, barre-toi s'il te plaît. Ou viens me chercher par la gauche que je puisse essayer de m'échapper. Tu n'arriveras pas à m'avoir ici de toute façon. Après, c'est peut-être un bot et c'est pour ça qu'il est un peu con. Je sais pas. Il est là, hein.
il veut pas me lâcher, hein, frérot. Il veut pas me lâcher. Voilà, viens, 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 viens. Pas de soucis. Ok, j'en profite pour me barrer comme ça. C'est magnifique. Non, 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 non. Je sais absolument pas quoi faire. Là, je suis complètement bloqué. Ouais, sérieusement, je sais pas trop quoi faire. Merde, merde, merde. Il me lâche pas la grappe. C'est insupportable. Il est insupportable, ce bacon. Devant le trou, alors qu'il sait très bien que je vais pas sortir. Il le sait que je vais pas sortir. Voilà, s'il te plaît, ramène-toi à la limite. Voilà, et merci. Comme ça, je te snob un petit coup. Donc, ma clé bleue, elle sert à quoi en fait? À rien, on est d'accord. Mais alors, on les récupère où les objets? Il me lâche pas. C'est impressionnant. C'est un truc de ouf. Mais laisse-moi, il y a plein d'autres survivants, gros. Ah, oh, c'est chiant quand les gens sont comme ça, tu vois. Il y a une porte qui était ouverte là à gauche. C'est parfait. Bah voilà, voilà. Tu vois, tu veux faire le teubé, à rester devant moi, et bah chez mon gars. Pendant ce temps là tous mes collègues ils sont en train de faire le nécessaire. Regarde, il est bloqué. Je crois que ce soit vraiment juste un bot un petit peu stupide, hein. Regarde, et si je vais là, ouais c'est ça, je crois que c'est un bot. J'aurais pu le caler, hein. J'aurais pu le bloquer pendant un bon moment. En fait ils ont choisi un bot, c'est pour ça que c'est si galère. Faut aller par là, parfait, ils ont tout ouvert presque limite. C'est les boss, mes collègues, c'est vraiment des boss. Je peux aller ici, c'est parfait, il y a une trappe. Enfin, une trappe, on se comprend quoi, un petit raccourci. Le pied de biche ici, il a déjà été utilisé, c'est ça? Mais la question c'est, est-ce qu'il y a d'autres objets à récupérer alors? Que je pourrais peut-être utiliser. Il manque la clé orange du coup. Je sais pas où ce qu'elle peut être. Il manque le bouton vert aussi également. Là, voilà, là il est bloqué, tu vois. Là, il sait vraiment pas me toucher. Et ça, c'est génial. Si je le bloque ici, par exemple, tous les collègues, ils peuvent avoir le temps. Même s'il peut contourner en soi, voilà. Il va contourner. Il y a un truc qui a pop ici, et je sais pas trop ce que c'est. C'est la hache tout simplement. Attends. Oh non, il a réussi à me choper alors que c'était à distance. Je sais pas comment est-ce qu'il a fait pour réussir à me choper, mais du coup c'est la fin pour moi. Ah dommage. Bon, on va retenter sur une nouvelle game, c'est pas grave. Ok, j'ai retrouvé une game magnifique qui vient de commencer. Enfin qui vient de commencer quoi. Une minute, grosso merdo. Donc franchement, ça passe de ouf. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pas encore débloqué les planches de bois. Wow, wow, wow. Par contre, Bacon il est là, hein. Par contre, lui, il est clairement là. Du coup, faut faire attention. Ils ont ouvert ici. Oh, il y a une clé bleue ici. Incroyable. Je sais pas si c'est une clé qu'on peut encore utiliser en vrai, genre la clé bleue ici. Donc là on est bloqué, très très bien, ici il n'y a rien à faire. Le fameux bouton, hein, clairement, je pense que c'est par là qu'on doit s'échapper, hein, j'en sais rien. Est-ce qu'avec ma clé bleue je peux encore faire des trucs? Et ici on peut mettre quelque chose ou pas? Ah ouais, il faut une carte, ici il faut la clé à molette, très bien, je vois. Ah bah la clé bleue c'est pour ici. Ok, et grâce à ça on débloque le fameux pied de biche qui va nous permettre de débloquer les planches en bois qu'il y a là-bas. Je fais que je dis ça pour qu'elle ramène Bacon. Ok, du coup j'ai enlevé les planches. Ensuite, grâce à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On récupère une plaque de métal ici. Il y a une hache aussi également qu'on peut utiliser. Par contre, la plaque de métal, j'ai vraiment aucune idée de à quoi elle sert en vérité, hein. Je vais essayer de chercher un petit peu de mon côté pour savoir. Mais là, je vous avoue que je ne sais pas trop à quoi ça sert. J'espère que les collègues vont récupérer les autres objets, faire aussi des bails de leur côté, histoire qu'on progresse vraiment bien tous ensemble. Donc le bouton, ça sert à rien. Peut-être pour ici, j'aurais pas vu. Non, pas du tout. Donc, la plaque de métal ne sert à rien pour cet endroit-là. On va essayer de trouver. Non, pas du tout. Ici, il faut une sorte de tube de je ne sais quoi. En train de fouiller partout, hein. Et je trouve pas l'utilité de cette plaque, hein. C'est assez frustrant, j'ai envie de te dire. Et j'ai failli me faire avoir par Bacon. C'est pas grave. C'est un autre Bacon d'ailleurs, ce qui est bizarre. Ouais, à mon avis, la plaque, ça servira pour plus tard. Il faut d'abord débloquer peut-être cette porte-là, par exemple. Mais pour l'instant, je peux rien faire avec ma plaque. D'ailleurs, petite astuce, si vous allez au-dessus ici, en vrai, Bacon ne peut pas te choper, ce qui est un petit peu dégueulasse, certes, mais ça reste une astuce comme une autre. Donc, les bleus, on a déjà utilisé. Il vient de récupérer la hache. Hache qui sert à je sais pas quoi non plus, en vrai. Là, en vrai, je vais leur laisser la plaque. Peut-être qu'ils pourront s'en servir. J'en sais rien. Donc, récupère la plaque si vous voulez. Moi, je vais essayer de trouver un autre objet. Ça, je sais pas trop à quoi ça peut servir. En vrai, on a déjà fait pas mal de choses, hein. Ça tombe, il y a moyen d'obtenir la fin dans cette game-là. Parce que l'équipe a l'air quand même d'être assez bonne pour le coup. Et merde, le Bacon est là. Il va me choper. Ou pas. Et non, j'ai réussi. Ah, le brain, c'est parfait. Je monte ici. Comme ça, il peut pas me toucher. Non, il a réussi à m'avoir. Voilà. J'ai joué avec le feu. J'ai voulu faire le malin à monter sur les toits comme ça. Tel un Yamakasi. Et bah, je regrette, très clairement. Il manque également l'item pour ouvrir à droite ici. Ok, il s'est fait choper. Je suis en train de faire un petit peu de repérage, j'ai pas de mytho. Tant que je suis en hauteur, autant en profiter. Dis trace ta route, mon pote, que je puisse redescendre. Parce que là, tu me fais peur, là. T'es vraiment juste en dessous de moi. Si je saute, tu vas me choper. Vas-y, je me barre. Je vais pas rester là non plus toute ma vie, hein. Ça ne sert à rien. Est-ce que vous avez fait d'autres bails, les gars? Ouais, non, le cadenas orange, il est toujours là, hein. Toujours là. Par contre, ça, c'est ouvert et je pense pas que ça l'était avant. Ah, il faut enlever un truc ici. Ça, ça sert la hache, à mon avis. Ok, il faut qu'on trouve la hache pour pouvoir enlever le gros tronc d'arbre. C'est ça, en fait, qu'il faut faire. C'est ça, le bail. Ok, donc il faut que je récupère la hache. Si, merde, il y a Bacon qui est là. Ok, je viens de comprendre. À mon avis, la hache sert à ça. Voilà, viens, voilà. Va enlever le bois, mon pote. Viens. Enlève ça, s'il te plaît. Enlève la bûche de bois. À mon avis, c'est pour ici, je pense. Attention, est-ce que c'est pour ça, la hache? Voilà, si Bacon se ramène. Oui, c'est pour ça la hache, magnifique. Et à mon avis, la plaque que j'ai sur moi, ça va permettre de faire quelque chose dans cet endroit-là. Donc, par exemple, où? Je viens de mettre les plaques de métal. Merde, faut que je me barre. Ok, Bacon a bugué, c'est parfait. Je sais pas ce qu'il a fait, il a fait genre un frontal contre le sol. Bah, magnifique, regardez, il est par terre actuellement. Ok, donc je viens de mettre une plaque de métal. Il reste que 2 minutes, mais il y a peut-être moyen d'y arriver, d'obtenir la fin. Il faut juste que j'arrive à le berner. Regarde, je vais ici. Il est un peu bête, mais il est imprévisible en fait, c'est ça le problème. Tac, je tente de le snober.
tomber et de retourner à l'endroit où il y a la plaque de métal. Peut-être que les collègues ont déjà continué à faire leur bail, mais on va aller voir ce qu'il y avait à faire là-bas. Sauf qu'on a besoin soit du pied de biche, encore une fois, soit de la hache. Je prends le pied de biche et on va voir si c'est ça. C'est soit le pied de biche, soit la hache dans tous les cas. Donc on va voir si ça fonctionne ou pas. Il reste que une minute. Oh là 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 là, c'est grave la galère. Attention, 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 attention. Je ramène bacon les gars, donc barrez-vous, ne me bloquez pas s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire ça ici? Oui, c'était ça. Ok, très bien, j'ai débloqué un accès. La Cléo, je sais pas où est-ce qu'elle est. Ok, je ferme la porte. Parfait, je crois que ça n'a pas marché, je crois. Je l'ai pas fait bugger, dommage. Il y a tellement moyen en plus de réussir la game que là on n'a pas la clé rouge. Dommage, dommage. C'était une belle game pourtant. Il y avait un objet derrière. On va se faire choper mon pote, je suis désolé. Enfin, de toute façon la game est terminée. Ok, c'est dommage. Bon, au moins ça m'a permis, cette game-là m'a permis vraiment d'apprendre pas mal de choses sur la map. Écoutez, c'est pas grave les amis. On avait quand même bien avancé sur cette map-là. Il restait plus grand-chose. C'est pas grave, on essaiera de faire ça en live demain. Je pense que demain, en fait, j'essaierai de faire tout simplement deux lives. Un live pour essayer d'obtenir la fin du dernier chapitre de Piggy. Et un live pour essayer d'obtenir avec vous la fin du chapitre 6 de Bacon. Vraiment pas simple hein, parce que c'est tout petit. Bon, heureusement que le bot est un petit peu débile par moment. Du coup, il y a moyen un petit peu de le bloquer pendant un certain temps. Mais bon, je pense qu'ensemble on fera une bonne équipe et on y arrivera. Mais sinon, ouais, mis à part ça, la map est très petite, elle est sombre en plus de ça. Tu t'y perds un petit peu, tu vois. Il y a des objets là, il y a des objets là. Enfin, bref, c'est un petit peu bordélique. Hein. Pour ça, Piggy est quand même un peu plus structuré, je trouve. Demain, si vous êtes chaud patate, on essayera de faire ça tous ensemble. Ensemble, on est plus fort. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'était une petite vidéo découverte. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, qu'à part à l'écran, road to 100K avant la fin du confinement. À la chaîne secondaire et checker deux de mes autres vidéo, vous avez encore un petit peu de temps, c'est votre bon vieux Fred, prenez soin de vous, portez-vous bien, bye bye tout le monde.